social. Hein. Alors, monsieur le maire, faites place de la musique. Ah ben c'est très bien, c'est très animé. Hein. On a tous les genres, donc c'est parfait. Il fait beau, on est à l'ombre. Dans la verdure, que demander de plus? Un maire heureux. Ah ouais. Il y a des circonstances heureuses, il y en a qui le sont moins, mais bon. Nous ne dirons rien à ce sujet. Surtout profiter des bons moments. Non, ça se passe bien, vous avez un petit peu de monde, c'est bien. Il y a du monde, ouais. Ce qui est bien, c'est que les gens sont venus progressivement, ils sont restés. Donc c'est que c'est bien. Allez, bon après-midi. Merci. Tu me donnes une assiette, Annie, s'il te plaît. Casse de schiste, France, eau et des importances. La Monique, c'est mon inspirer. La Monique, c'est aussi la guerre. Rick, un grand peuple de guerriers. Qui nous il a marché longtemps dans le désert. Il a marché longtemps. Et enfin, pour finir, l'Amérique, c'est l'Amérique. Et une fois que t'as dit tout ça, t'es bon, mais C'est une vedette, à quel titre? Oh, le chante, oh. Chante bien. Oh. Elle chante? Ah, ouais. C'est comme pouvoir en photo. La reinette. Avec internet. À bon matin, c'est pour le pied du clergé en bateau. En bateau, la 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 la. En bateau, la 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 la. En bateau, la 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 la. En bateau.
Marc Donzon, bonjour. Bonjour. Alors, président de ce comité des fêtes, ouais. Comment se passe cette journée? Ah, super, une belle journée, on a vraiment de la belle musique. On entend un supplément cornichon, mais on vient d'écouter Into the Bartas. Et puis on a écouté avant Demi-Tarif. On a écouté Robert Cabane, le doyen d'Avez, 92 ans. Qui est déjà dans la boîte. Est déjà dans la boîte, ouais. On a écouté Supplément Cornichon déjà, et puis on va écouter pour finir deux autres groupes plutôt rock avec Power Slide et Groove Project. Puis on terminera avec des musiciens qui jouent de la country qui viennent de Somme. C'est bien, ça fait un beau programme. Ouais, joli petit programme. C'est une fête de musique à retardement, mais bien faite quand même. Oui, tout à fait, ouais. Chaque année, c'est la même chose, vous organisez. Ouais, ça fait, c'est la quatrième année. Donc on organise toujours dans ce petit jardin qui est fort agréable. Avec une équipe dynamique. Oui. Alors on organise d'autres fêtes tout au long de l'année. On organisera le 13 juillet une soirée gauloise. Ah, on va faire un buffet avec de la musique. Et puis il y a le feu d'artifice traditionnel qui est. Et habillé en gaulois. Habillé en gaulois, ouais. Alors soirée gauloise, donc avec un repas gaulois. Et puis on invite tout le monde à venir déguiser. Ceux qui viennent déguiser se vont offrir la potion magique. Normal. Et puis il y aura un concours aussi. On élira le plus beau déguisement de la soirée. Bien, et bien parfait. Donc, ouais. Probablement rendez-vous au 13 juillet. Alors. 13 juillet. Et puis après, pour finir l'été, à la fête votive à Avez, c'est le 15, le 16, le 17 et le 18 août. Quatre jours de fête, ouais. Avec un programme varié, je pense, hein, puisqu'on a une première soirée au camping, avec il y aura des puces, il y aura une course pédestre, puis une soirée musicale organisée par le camping. Le jeudi, on va faire un concours de baby-foot, le loto avec les anciennes de la Tessonne, qui se passera dans le parc du château Montcalm, à Avez. Et puis, en soirée, on aura une séance de cinéma en plein air avec le cinéma du Vigan. Le film n'est pas déterminé encore, mais toujours dans le jardin, le parc du château Montcalm. Et puis, sera associé à cette journée le bistrot à Vesoul, Monsieur Charvet, qui s'est associé à cette journée et qui fera venir une animation musicale. Je crois que c'est Monsieur Malapert au saxo avec un autre musicien là, qui vont venir. Et puis après, le vendredi et le samedi, les deux journées de fête avec un orchestre, c'est Place du Temple. Eh ben, c'est voilà. Un beau programme. Bien, parfait. Ben, bonne continuation, bonne fin d'après-midi. Merci. Et merci, au revoir. Bonne fête de la musique. Robert Cabane.
On va passer à Into the Bartas. Quel âge avez-vous, monsieur Cabane? 3 janvier. Quel âge avez-vous? 92 ans. 92 ans. Vous êtes d'Avez? Eh? Vous êtes né à Avez? Je suis né à Paris. La rue de Bambeuge. Oui. Vous connaissez le rue Saint-Lazare? Oui. Bon, et bien entre les deux, il y a la rue des Martyrs. Oui. Bon, il y a une rue qui montait, qui s'appelle rue Rodier. Oui. Je suis né rue Rodier. Ah. J'ai travaillé à Paris toute ma vie. Et vous faisiez quoi? Hein? Vous faisiez quoi? Cheminot. Cheminot? Oui. On commandait dans un service qui commandait le matériel roulant. Ah, d'accord. Voiture, wagon, locomotive. D'accord. On faisait des marchés, services juridiques à côté de ceux qui faisaient les spécifications. D'accord. Vous êtes heureux ici maintenant? J'avais 22 agents sous mes ordres. C'est bien. Et maintenant, vous êtes heureux ici à Avez? Ah ben oui. Hein, c'est une bonne retraite. Eh, comment? C'est une bonne retraite. Oh ben, ma foi, il y a 30 ans que j'y suis. Attendez, 1900, juin 80. Juin 2000. 20, 32. 32 ans. Très bien. Merci. Vous serez sur la. Vous serez sur Internet. Ah, merci. Voilà. Ne récite pas ses leçons en attendant que le sommeil l'emmène au pays des merveilles. Il repart. Ulysse Boisson, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Bartas, ça fait quelques années maintenant. Oui, ça va faire 5 ans la première formation. Et puis on a eu deux amis qui sont partis et deux autres qui sont revenus pour les remplacer il y a 3 ans. Avec une sacrée variété d'instruments, d'après ce que j'ai vu. Maintenant, on a même un saxophone et un trombone en plus. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Et une jeune fille qui joue du clavier, oui, du violon, oui, et du trombone. Oui, exactement. On fait dans le grand luxe, hein. Maintenant, oui. Et occupé tout au long de l'année avec cette formation ou... Oui, une fois par semaine, on essaie de répéter. Mais là, c'est un peu dur parce que maintenant, on est tous étudiants. Et voilà, les horaires, c'est pas forcément conciliable. Vous êtes tous à Montpellier? Voilà, tous à Montpellier. Donc, on joue aussi à Montpellier de temps en temps, mais on joue plus dans le pays. Bon, voilà. C'est bien. Mais pour en faire plus tard un métier ou c'est vraiment pour le plaisir? Non, c'est juste pour le plaisir. Parce que pour en faire un métier, ça, c'est vraiment le rêve de tout le monde, mais on... On n'a même pas le projet d'en faire. Non, c'est vraiment pour le plaisir de se retrouver avant tout. Et de voir les gens danser, c'est super. Bonne entente de groupe? Oui, super. Super. Quelle est votre moyenne d'âge à tous? La moyenne d'âge, c'est 17 ans, enfin ouais, de 16 ans à 22 ans. C'est bien. Donc ça continue, ça va aller de mieux en mieux. Au niveau qualité, hein, il y a beaucoup de progrès. Hein. Merci. Non, c'est vrai. Merci pour cette petite interview. De rien. Et puis à bientôt. À bientôt.
C'est vraiment toi.